Eh bien salut tout le monde, c'est Buscaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait particulièrement plaisir puisqu'on se retrouve sur Minecraft, la version PS Vita. Donc je tiens à préciser que c'est la démo qui est disponible sur le PSN. Vous pouvez acheter dès aujourd'hui même bien, ça fait déjà peut-être 4 jours qu'il est sorti je crois. La version finale de Minecraft sur le PSN. Moi je n'ai pas la version payante puisque j'ai précommandé le jeu en version boîte chez Micromania et donc j'attends d'avoir la version boîte vu que je préfère avoir mes jeux. J'aime pas trop avoir des jeux dématérialisés, pardon. Je préfère quand même acheter mes jeux merde, en version boîte. Donc c'est pour ça que ce n'est que la démo, mais ça comme ça va vous montrer un petit aperçu de cette version qui s'avère vraiment très très bonne. Moi je suis un joueur PC comme vous commencez à le savoir. Pour moi Minecraft sur console déjà c'était un petit peu bizarre pour moi. Hein. Je trouvais que c'était un peu une bêtise mais bon maintenant j'ai quand même évolué depuis cet âge-là. Moi je trouve quand même que les joueurs PC et même console, hein, je ne vais pas juger les deux, sont quand même de plus en plus fermés. Moi j'ai un pote qui est dans ma classe, il est complètement mais fermé. Il dit que c'est une grosse connerie de mettre Minecraft sur PC. Vous savez récemment, il y a la version, ça n'a rien à voir. Il y a la version de Diablo 3 qui est sortie sur console. Le mec a dit que c'était impossible qu'un jeu comme ça puisse sortir sur console. Enfin sur console next-gen, je parle. Il était déjà sorti sur PS3 et Xbox 360. Mais il est sorti en Full HD 1080p, 60 FPS sur les consoles next-gen maintenant. Le mec enfin, est resté sur sa version de PC, c'est le mieux. Et je trouve ça complètement con. Mais bref. Donc moi je m'attendais à un truc bizarre quand même de Minecraft sur console déjà. Et je me suis laissé tenter parce que moi j'achète pas mal de jeux quand même sur PS Vita. Et donc je me suis laissé tenter par cette version qui est vraiment vraiment très bien. Donc je crois que c'est la 1.4, la version de console même. Hein. Le jeu est vraiment très bien. La distance d'affichage est quand même assez loin. Hein, regardez. Hein. Le jeu tombe parfaitement bien. Je pense que c'est du 30 images par seconde. Hein, c'est quand même plutôt fluide. Je vais vous montrer vite fait les options. Donc commande. Voilà. Vous pouvez vous mettre en gaucher. Les paramètres. Vous pouvez augmenter la sensibilité. J'ai mis la sensibilité à fond. J'ai testé. Hein. C'est vraiment une grosse sensibilité. Hein, c'est un petit peu ce que je trouve dommage sur les jeux PS Vita de type FPS, c'est que la sensibilité n'est pas vraiment très haute sur certains FPS. Et donc là, ils ont vraiment. Vraiment, il y a une grosse sensibilité, donc ça c'est plutôt cool. Donc la version démo, c'est la même version qu'une version normale. Hein. C'est juste que vous ne pouvez pas sauvegarder, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi il ressemble ce jeu. Donc ça rend, il est vraiment stylé. Et je pense que chaque joueur qui a déjà joué à Minecraft PC ne peut que rêver de pouvoir jouer dans son lit avant d'aller se coucher et de ne pas rester sur une chaise de bureau devant l'ordinateur. Et là, c'est vraiment ce que je vais kiffer, c'est pouvoir me coucher, avant de me coucher, me poser, il y a des petites peluches sur mon écran, me poser, pardon, et jouer à Minecraft sur ma PS Vita. Donc ça va être vraiment cool. Donc on va un petit peu explorer ce monde. On va tuer quelques petites bêtes, puisque je n'ai pratiquement plus de bouffe. Le jeu est vraiment beau, hein. Alors, je ne pense pas que ça soit la même qualité de définition que celle PC. Je pense qu'ils ont un petit peu baissé, mais vraiment, vraiment bien. Ils tournent vraiment, vraiment bien aussi. Alors, on va mettre quelques torches, on va descendre là-dedans. On est des fous. Va pas descendre parce que vu que c'est la nuit et que je suis pas encore trop adapté au jeu, je préfère me battre dehors plutôt que d'aller m'enfoncer dans une. Le but c'est quand même d'aller vous montrer. Donc voilà, vous avez les villages PNJ. Non, franchement je pense que j'ai vraiment bien m'amuser sur ce jeu. Je risque d'y jouer avec des potes et sûrement de faire une aventure. Et ce qui est vraiment cool avec ces versions console qui met pas vraiment de. Vraiment, hein, je vous le dis. Regardez déjà, on a le petit logo en haut à gauche de mon écran qui vous dit que vous êtes en train de courir. Donc c'est vraiment bien. Au début du jeu, vous avez un didacticiel qui vous apprend vraiment tout. Donc moi pour moi ça m'a servi parce que je n'ai jamais joué à un Minecraft de ma vie sur console. Et pour apprendre les touches, c'est vraiment bien. Sinon, Minecraft, voilà, je connais tout. Hein. Enfin, je connais la base, tu vois. Minecraft, j'y ai joué. Si je devais compter les heures de jeu que j'ai dessus, je m'en sortirais pas. Mais
le didacticiel est vraiment bien fait. Là, vous voyez, regardez, à chaque fois, voilà, il vous faut de la nourriture, on va manger quelques carottes, par exemple. En plus, vu que j'ai un arc fire, mes poulets, enfin ma viande est déjà cuite, donc ça c'est plutôt cool. Tac, faut juste que je me fasse un petit peu aux touches. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc vous avez un didacticiel, hein, mais je crois que je disais autre chose avant. Ça va sûrement me revenir. Donc le didacticiel est vraiment bien foutu. Et vraiment bien foutu. Voilà, je sais ce que je voulais dire. Sur PC, vous êtes un petit peu. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais réussi. Là, vous pouvez me traiter de nous. J'ai jamais réussi à installer un shader de ma vie ou un pack de textures. Juste installer mon skin. Alors, peut-être que ça sera possible. On est mort. C'est pas grave, du moment que je recommence. Plus qu'à man a piqué une tête dans le. Dans la lave. Pas mal. J'ai jamais réussi à installer un pack de textures de ma vie. Et là, ce qui est vraiment cool avec cette version-là, je peux pas vous montrer parce que c'est la démo. Mais vous avez directement des packs de textures. Je crois qu'il y en a 5 ou quoi que ce soit. Et puis après, je pense que ça sera possible d'en télécharger directement sur le PSN. Vous avez directement des packs de textures préchargés dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis vous avez des skins. Donc c'est encore plus cool. Vous avez vraiment pas mal de contenu, sincèrement. Hein. Les versions sont vraiment bien faites. Et en tout cas, c'est une démo. Hein. Et j'ai déjà eu un patch dessus. Donc je pense que le patch est valable aussi pour la version pour la version payante. Hein. Mais enfin vous voyez quoi, le jeu est vraiment. Il y a du suivi derrière, hein, pas comme Borderlands par exemple, hein, là, pour citer qu'un. Il y a vraiment un suivi derrière des développeurs et ça je trouve ça cool. Et puis je pense que beaucoup de monde l'attendait hein, quand même. Quand je regarde sur YouTube, c'est quand même. Ça bat des records hein, de vues, hein, sincèrement, hein, sur PS Vita. What the fuck, c'est quoi ça? What? MDR? Plutôt sympa, tiens. Bon, on va aller voir. Alors, vous avez quelques petits micro-lags, je sais pas si vous remarquez. Bon, bah ça, hein, même sur mon Minecraft PC, hein, ça le fait, donc pas trop de... C'est pas réellement grave, mais vraiment, sinon, le jeu est vraiment bien. Et je pense franchement que j'ai envie de taper les barres. Là, pour l'instant, sur PS Vita, on avait le droit que à Terraria, donc pour ceux qui connaissent... Ça n'a rien à voir avec GTA, faut arrêter. Avec GTA, pardon. J'ai tellement l'habitude qu'on me dise ça, genre les open world, ça ressemble à du GTA-like, mais mon nom. Ça n'a rien à voir avec Minecraft, hein. Terraria, c'est un RPG, je parle de ça parce que je fais le rapprochement. En jeu cubique, je parle. On avait le droit qu'à Terraria, qui est un très bon jeu et que je vous conseille, qui est vraiment technique. Un bon RPG, de quoi se taper vraiment des bonnes barres de rigolade. On avait le droit qu'à Terraria, on a des petits disques. Juste pour le prendre. Et puis maintenant, voilà, on a Minecraft. Oh putain, j'ai cru que j'allais crever là. Donc ça, c'est vraiment cool. Vas-y, tu veux encore me tuer. On va s'enfuir. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, franchement, je l'attends vraiment. Donc ce qui est dommage, c'est que je crois qu'elle est sortie le 17 ou le 15. Le jeu, je crois qu'il est sorti le... Ouais, le 15 ou le 17, je suis plus trop sûr. Ce qui est dommage, c'est que la version boîte ne sort que le 19 novembre. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Mais bon, c'est pas grave en soi. Hein. Puis d'ici là, je pense qu'ils auront mis plusieurs patchs pour corriger les bugs, même si j'en ai pas, hein, personnellement. Bon, vous allez me dire, c'est qu'une démo, tout ça, mais vraiment bien. Donc je vous invite vraiment à aller le télécharger. Et pour tous ceux qui trouvent que Minecraft sur console, c'est une... c'est stupide, eh bien... Bien sûr que non, ce n'est pas du tout stupide et c'est vraiment cool. Moi je dis, chacun a le droit de jouer sur la plateforme qu'il veut. Et moi, je commence à vraiment... Moi, le PC, j'y ai joué... Bon, là, on va divaguer de Minecraft, mais bon, c'est pas très grave. J'ai joué grâce à Battlefield, hein, donc je resterai toujours un joueur PC grâce à Battlefield. Mais je pense que je vais revenir un petit peu à mes origines qui sont les consoles. Et je pense que ça peut être... une bonne chose pour moi. Donc on a nos anciens trucs ici. Est-ce qu'on a de quoi se trouver un petit peu de stuff pour pouvoir descendre? Qui sait? Tac. Dans une petite grotte. Est-ce qu'ils ont un petit peu de stuff à me passer? Bien sûr que non. Ouais, j'avais déjà vous fouiller ici. Il y a quoi ici? Il n'y a rien de toute façon. Allez où la maison? Il y a le... Où il y a le four, là, le truc de lave, c'est là-bas qu'on trouve du stuff normalement. Ah, je peux plus se prêter. Ah, bah, je suis con, j'ai des patates. On va manger quelques patates.
On va trouver une table de craft et on va se faire du pain aussi. Hop, on va s'installer là pour l'instant. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de jouer avec moi, la plupart ont déjà ajouté hein, sur le PSN. Tac. Je pense qu'il y a vraiment moyen de bien rigoler, en tout cas. Ah, il est sérieux, si je meurs deux fois d'affilée, de toute façon, je m'en fous si je meurs. Là, c'est vraiment une petite vidéo posée que je vous fais au calme. Juste pour vous montrer un petit peu cette version qui est vraiment super. Et en plus, ça rend vraiment bien avec l'écran de la PS Vita qui est plutôt petit. Ça rend vraiment bien. Donc du coup, là, je vais avoir la PS4 pour Noël. Je ne vais pas me l'acheter, je vais attendre que mes parents me l'achètent à Noël. J'ai pas envie de dépenser 400 balles, mais je vous le dis clairement, la PS4, pourquoi je l'achète? Parce qu'il y a le crossplay. Je vais die. Allez, tue-moi, voilà. On va revenir au point de contrôle. Hop. Donc, je vais vous montrer vite fait la petite cité. Bah, je vous l'avais déjà montré, mais non, c'est pas très grave. Parce qu'il y a le crossplay. Vous savez qu'on peut jouer au jeu PS Vita. Au jeu PS4, pardon. Sur PS Vita. Donc, ça rend cool. Et il y a la PS Vita TV qui. Je ne sais pas si elle est sortie. Je sais plus si elle est sortie ou si elle va sortir. Je vais l'acheter parce que je sais plus si je l'avais fouillé celui-là, bien sûr, bah non. On peut même faire, franchement, je pense. Moi, je vais juste dire un truc avant ce que j'allais dire. Les jeux PS Vita, vous imaginez même pas comment je les sèche. Je les fais de A à Z. Borderlands 2 sur PS Vita, j'ai recommencé le jeu 5 fois. Et là, je vais pas retarder à le recommencer une sixième fois parce que j'avais eu des bugs, tout ça, mais. Le jeu, je faisais tout. Par contre, là, Borderlands The Pre-Sequel, le jeu, je l'ai bientôt fini. Hein. J'ai que 13 heures, 15 heures de jeu. Le jeu, je l'ai bientôt fini. Je suis au boss final. Mais par contre, les jeux sur PS Vita, bah, j'ai tellement un plaisir à jouer posé dans mon lit. Pas sur une chaise de bureau ou voilà. Et bah, les jeux, ça me donne encore plus envie d'y jouer. Et là, Minecraft, je pense que ça va me. Ça va vraiment me remettre dedans vraiment à fond. Et ça, je pense que je vais vraiment kiffer. Donc, je sais plus ce que je disais avant. Oui, donc la PS Vita TV. Pourquoi je vais l'acheter? Ça coûte 100 euros. Ça vous permet de jouer à certains jeux. Pas tous les jeux qui sont compatibles, mais ça risque d'arriver prochainement. Sur votre écran de TV. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que je vais pouvoir vous record en meilleure qualité des vidéos sur PS Vita. Donc, en gros, ça va me servir d'overmedia. Tout simplement. Parce qu'il y a une prise HDMI à l'arrière. Enfin non, bah non, ça va être pour brancher à la TV. Mais je pense que je vais pouvoir trouver un petit truc qui va me permettre de brancher mon AverMedia à ma télé. Et du coup, pouvoir vous proposer du gameplay qui vient directement de ma PS Vita. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je pense que ça risque d'en intéresser plus d'un. Quelqu'un m'a demandé dans les commentaires, s'il verra cette vidéo, je lui réponds, comment je fais pour filmer? Parce qu'il m'a dit que les vidéos étaient quand même de bonne qualité. Comment je fais pour filmer mon écran de PS Vita? Et bah, tout simplement, je prends mon iPhone. C'est un iPhone 5S. Voilà. Je compte m'acheter bientôt le 6, hein, je vous le dis. Comme ça, si j'ai pas moyen de filmer avec la PS Vita TV, et bah, avec le 6, ça sera de meilleure qualité vu que c'est un écran de 1080p. Alors que là, c'est du 1000p, je crois, avec l'écran Retina de l'iPhone 5. Bref, donc je pense que ça sera encore de meilleure qualité. Il est sérieux. Oh l'enfoiré, il m'a pas fait de dégâts, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc si j'ai la possibilité de filmer mes gameplays avec la PS Vita TV, bah c'est bien, ça va être cool. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit passage secret ici? Je sais pas pourquoi là. Eh bien non, je me suis fait des idées. Je me suis fait des idées. Moi, je vous montre pas des choses exceptionnelles, hein. Je vous montre juste un peu à quoi elles ressemblent. Je trouve déjà, sincèrement, alors je sais, je crois pas que c'est, je crois que c'est valable que pour la version PS Vita, hein, ce qu'ils ont fait là. Je trouve ça vraiment, franchement, j'ai la larme à l'œil. Non mais je déconne, mais là on est dans la minute romance, tout ça. Je crois qu'ils ont fait ça que pour la version PS Vita, de faire un petit village comme ça pour vous présenter le jeu. Je suis pas sûr, hein, peut-être que je disais conneries, hein. Mais je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et sur PC, on n'est pas gâté comme ça. Il n'y a pas de didacticiel, c'est en gros, bah les pros. Voilà Minecraft, maintenant tout le monde l'a, il y a 50 millions de. Il y a eu 50 millions de ventes sur Minecraft.
Voilà, le petit nouveau qui a toujours pas découvert Minecraft, bah, c'est qu'il est resté je sais pas combien d'années dans sa grotte. Mais pour toujours les petits nouveaux qui ont jamais joué au jeu, c'est toujours cool d'avoir un didacticiel. Et sur PC, bah, vous ne l'avez pas, je trouve ça un petit peu dommage. Et donc là, ils ont fait quand même. Bon, le truc est pas non plus terrible, hein, j'ai envie de dire. Enfin, ce qu'ils ont fait, les espèces de petits bâtiments, tout ça. Et je trouve ça cool. Vous avez toujours le petit didacticiel. Bon, par contre, c'est vrai que. À chaque fois que je vais loquer un truc, par exemple, à chaque fois que je regardais ça ou je sais pas quoi, ça va me le mettre. Mais je pense que ça risque de partir à la fin. Enfin, ça vous mettra toujours pas une bulle grise en vous mettant qu'est-ce que c'est ce machin. Ah, je peux plus courir. Je me disais, on va aller tuer la vache, la seule vache qu'il y a. Je vais la tuer parce que tu le mérites, ok? Alors. Voilà, nickel. Alors. Ouf! Oh putain! Regardez ce qu'on vient de trouver. Allons-y. Oh mais non! Ça, je savais pas ça. Enfin, je savais qu'il y avait le Nether, mais je savais pas qu'on avait la possibilité d'y aller. On va voir le temps de chargement. Et bah, et. Sincèrement, le temps de chargement, il est pas. Il est pas énorme. Ça allait vachement vite. Et attends. Waouh! Et je vous jure que c'est vrai, c'est plus fluide que quand on est dans le monde normal. Alors que normalement, c'est le Nether, vous voyez, il y a mort de trucs à. Par exemple, attendez, on va s'approcher de la lave, peut-être que ça va laguer comme une salope. Oh putain, on a déjà un donjon et tout. Bon, attendez, let's go! Aïe. On va voir ce qui nous donne dans le donjon. Ouais, c'est un peu loin. Ah, je pense que je vais vous faire pas mal de vidéos sur ce jeu. Hein. Purée. De toute façon, il y aura sûrement une aventure avec des potes. Une aventure survie. Voilà. Imaginez, on peut créer des serveurs. Putain, ce serait juste tellement stylé. Serveur Blue Sky Man. Bonjour. Bienvenue sur le serveur de Blue Sky Man. Mini-jeux et aventures vous attendront. Ce serait pas mal. Et, putain, mais c'est fluide. Et j'ai. Là. J'ai l'impression de tourner en 60 FPS et je vous jure, j'ai l'habitude d'avoir les yeux qui sont toujours fixés à plus de 60 images par seconde, mais là je vous jure, c'est hyper fluide. Attendez, c'est beaucoup plus fluide que dans le monde normal. Comment ça se fait? Pourtant, il y a beaucoup plus de trucs à. Putain, mec! Et limite, vous allez prendre je sais pas combien de blocs de terre, vous les mettez tous là, vous refaites un monde là-dedans, c'est encore plus fluide. Là, je vous jure, c'est énorme. Bon, on va sauter dans la lave, on s'en bat les couilles. Au revoir. Voilà. Tac. Bon, bon, à percuter le sol, sans déconner. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, vous me le dites en commentaire. Vous me dites ce que vous avez aimé aussi dans cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir que vous m'écriviez ça dans les commentaires. Ce que vous voudrez aussi en vidéo, ça m'intéresse vraiment énormément. En sachant que je suis sur certains projets, ce que j'aimerais faire pour que ma chaîne évolue à un autre stade. On approche des 200 abonnés. Et donc ça, c'est vraiment cool, je vous en remercie tous. Moi sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien les gens. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.